Est-ce que vous savez que vous pouvez enlever votre masque? Non. On a le droit? D'accord. Ah ben je savais même pas. C'est la bonne nouvelle du jour pour ces vacanciers. Ah oui, ça fait du bien. Ils sont venus en nombre prendre le soleil. Ici, à la station de ski de La Yole, la plupart des gens en pleine activité ne portent pas de masque, mais certains préfèrent le garder. Oui, mais je pense que je vais le garder. Par simple précaution, il y a beaucoup de monde. Du monde aussi dans les rues de La Yole à porter le masque, mais depuis ce matin, en application d'un nouvel arrêté préfectoral, il n'est plus obligatoire dans une grande partie de l'espace public à Véronée. Donc si je comprends bien, je peux sortir sans masque dans La Yole l'après-midi. Exactement. Avec ce beau soleil, c'est formidable. Attention cependant, le masque est toujours la règle aux abords des écoles ou lors de regroupements même extérieurs. En attendant, c'est un peu un retour à la normale. C'est le début peut-être d'une vie comme avant, quoi, je sais pas. Quoi qu'il en soit, comme je vais dans les commerces avec mon masque, je vais continuer à le garder aussi dans la rue pour éviter de l'enlever toutes les 5 minutes. J'ai continué à le garder dans tous les cas pour protéger les uns et les autres et moi-même. Vous imaginez que quand on vient ici, c'est pas pour s'enfermer derrière un masque, c'est pour respirer au maximum l'air de la montagne. Respirer à plein poumon l'air du plateau de l'Aubrac et profiter de ces dernières neiges, une combinaison parfaite pour ces vacances qui ne font que commencer.